Bonjour, une vidéo sur le questionnement de l'alignement de trois points. Donc j'ai donné trois points, A, B et C, avec leurs coordonnées dans un repère quelconque. Et l'objectif de la question, c'est de savoir si ces trois points sont alignés ou s'ils ne le sont pas. Alors bien évidemment, on peut faire un dessin pour aller conjecturer, mais un dessin ne va jamais être suffisant et ne va pas faire l'objet d'une preuve. Alors pour savoir si ces trois points sont alignés ou s'ils ne le sont pas, en fait, il n'y a pas une seule méthode. Donc j'ai donné ici trois méthodes différentes et je vais essentiellement exposer celles-ci. Mais on pourrait eh bien, aller par exemple rechercher une équation de la droite AB. Quand on a les coordonnées de deux points, on peut trouver une équation de la droite qui relie ces deux points. Alors si vous ne savez pas trop comment faire, je vous invite à aller voir une vidéo qui va porter sur ce thème. Et une fois qu'on a trouvé une équation de la droite AB, eh bien, vérifier si les coordonnées 2 et moins 6 du point C vérifient l'équation qu'on a trouvée ou pas. Si les coordonnées de C la vérifient, ça veut dire que les trois points sont alignés. Si les coordonnées de C ne la vérifient pas, ça veut dire que les trois points ne sont pas alignés. Autre possibilité, c'est travailler sur la notion de coefficient directeur de droite. Alors attention quand même à cette notion-là. Parce que pour que un coefficient directeur existe, il faut qu'on soit face à une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, donc toutes ces droites-là n'ont pas de coefficient directeur. Alors comment on peut s'assurer qu'on n'est pas dans le cas d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées et donc qu'on peut aller calculer les coefficients directeurs? Eh bien, c'est en regardant les abscisses des points. Là, x de A n'est pas égal à x de B. Ça veut donc dire que les deux points A et B ne sont pas sur une verticale, puisque l'axe des ordonnées est souvent vertical. Donc là, je peux calculer le coefficient directeur de la droite AB. Par exemple, A et C, mais je pourrais très bien prendre B et C, n'ont pas la même abscisse, donc je ne suis pas dans une situation de ce type-là. Alors, je rappelle rapidement comment se calcule un coefficient directeur. Mais ce n'est pas la méthode que je vais exposer ici. Je vais juste expliquer qu'elle pourrait fonctionner. Donc, comment je calcule un coefficient directeur? Eh bien, je vais l'appeler m de AB. Eh bien, je le calcule en faisant la différence des deux ordonnées, y de B moins y de A, sur x de B moins x de A. D'ailleurs, je retrouve par le biais de cette formule le fait que les deux abscisses ne doivent pas être égales, sinon là je me retrouverai avec une division par zéro et diviser par zéro, c'est pas possible. Donc une méthode peut consister à calculer le coefficient directeur de la droite AB, calculer le coefficient directeur de la droite AC, et si jamais ces deux coefficients directeurs étaient égaux, eh bien cela voudrait dire que les deux droites AB et AC sont parallèles. Sauf que, comme elles ont un point en commun qui est le point A, ça voudrait donc dire qu'elles sont confondues, donc elles forment une seule droite, et donc que les trois points A, B et C sont alignés. Et si les coefficients directeurs de AB et de AC ne sont pas les mêmes, eh bien ça veut dire que les deux droites ne sont pas parallèles, donc elles sont sécantes, et donc A, B et C ne sont pas alignés. Donc là, je vais plutôt travailler sur la collinéarité. Parce que ça ne va pas poser un problème de rigueur comme la notion de coefficient directeur, qui demande quand même à ce que le coefficient directeur existe bien, et qui ne va pas demander la stratégie de recherche d'une équation de droite, parce que voilà, si cette stratégie-là pose problème, bah, ça bug à ce niveau-là. Donc je vais travailler sur la collinéarité de deux vecteurs. Je rappelle que dire que deux vecteurs sont collinéaires veut dire que deux vecteurs ont la même direction et donc ils ont des supports parallèles. Donc je vais par exemple travailler sur AB et AC, mais je pourrais très bien travailler sur AB et puis BC, ça n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est que les deux vecteurs que je vais choisir aient un point en commun. Je vais expliquer pourquoi. Donc les coordonnées de AB, donc c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. Et donc, le vecteur AB, je vais le mettre un petit peu plus loin, parce que je vais avoir besoin de la place tout à l'heure. Le vecteur AB a pour coordonnées donc 1 moins moins 5, ce qui donne 6.
et puis 3 moins 4, ce qui donne moins 1. Les coordonnées du vecteur AC, même formule, donc x de C moins x de A, y de C moins y de A, et donc le vecteur AC a pour coordonnées donc 2 moins moins 5, donc 7, attention quand il y a des signes moins, et moins 6 moins 4, qui donne moins 10. Pour savoir si des vecteurs sont collinéaires, eh bien, il y a un calcul, donc la collinéarité des vecteurs, c'est la proportionnalité de leurs coordonnées. Donc il y a un calcul qui permet de travailler sur la collinéarité. J'ai donné une vidéo spécifique à ça, c'est d'aller calculer le déterminant du vecteur, enfin des vecteurs AB et AC. Donc ce déterminant, j'en rappelle la formule, x de AB multiplié par y de AC moins x de AC multiplié par y de AB. Voilà, on va en faire le calcul. Et si ce déterminant vaut 0, cela voudra dire que les deux vecteurs sont collinéaires, donc que les droites AB et AC sont parallèles, et comme elles ont le point A en commun, elles seront donc confondues et les trois points sont alignés. Voilà pourquoi, si on prend AB et BC, ben c'est le même type de raisonnement, parce qu'à ce moment-là, si AB et BC sont collinéaires, ça voudra dire que les droites AB et BC sont parallèles. Cette fois-ci, c'est le point B qu'elles auront en commun. Elles seront donc confondues et les trois points seront alignés. Ce qui est important, donc, c'est de choisir deux vecteurs avec un point commun. Donc, je vais faire le calcul. X de AB, donc c'est égal à 6, multiplié par Y de AC, moins 10. Lorsque deux symboles se suivent, on met des parenthèses, c'est plus correct. Moins X de AC, donc 7, multiplié par Y de AB, moins 1. Et ça donne donc moins 60 plus 7, ce qui fait moins 53. Voilà, ce moins 53, il est différent de 0. Et donc, attention à la conclusion, ne pas aller trop vite. Donc, on en déduit que AB et AC ne sont pas collinéaires. Je vais le dire un peu plus rapidement. Non collinéaires. Et puisqu'ils ne sont pas collinéaire, on en déduit que A, B et C ne sont pas alignés. Voilà comment on peut travailler très simplement sans avoir de problématique de rigueur que demanderait la notion de coefficient directeur ou de calcul un peu à rallonge que demanderait une recherche d'équations de droite. Voilà comment on peut très simplement travailler sur l'alignement ou le non-alignement des points. Alors bien évidemment, il suffit ensuite de placer ces trois points et de bien confirmer ce que cette preuve-là vient de nous mettre en évidence, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas alignés. Voilà, donc j'espère avoir été claire sur une utilisation de la collinéarité des vecteurs. Ce n'est pas la seule et donc je vais faire une autre vidéo sur la collinéarité qui sert au parallélisme de droite. Voilà, et bien à bientôt, au revoir.